Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo spéciale pour vous dire que je vais organiser un concours pour gagner l'oracle Joyeux Noël. Donc ça me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait c'est un oracle que je trouve super beau. Bon, pas pour me vanter parce que je l'ai fait, mais déjà c'est très rare de trouver des oracles de Noël. Et je le trouve vraiment très beau avec les tranches dorées. Il est épuré avec du blanc, des belles couleurs. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce petit oracle-là de Noël. Et du coup, ça me tient à cœur de vous en offrir un. Donc, bien évidemment, on ne peut pas l'offrir à tout le monde. Hein. Je vais en offrir un à une personne. Donc, pour cela, je vais juste vous demander en fait, de soit aimer ma page Facebook, LD Oracle Voyance, soit aimer mon Instagram, de me suivre en fait, hein, ou soit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous pouvez faire les trois, c'est encore mieux, hein. Le but de ça aussi, c'est de vous faire plaisir et aussi d'essayer de me faire connaître un petit peu plus. Non pas que je veux être mondialement connue, hein, mais juste un petit peu plus. Donc l'oracle de Noël. Donc comme vous pouvez le voir, je vous l'offrirai en tranches dorées, hein. C'est beaucoup plus joli. Ce sont des grandes cartes, hein, quand même, hein. Quand vous regardez à côté de ma main, vous voyez, ça fait presque la taille de ma main. Ce sont des très grandes cartes. Niveau détail, j'ai ça sous les yeux, on est sur du 146 mm sur du 89 mm, hein, d'accord. Donc c'est des bonnes tailles, hein. J'ai pris la qualité vraiment très très épais, donc ça bougera pas dans le temps, ça va être nickel. Et puis donc l'oracle est de 84 cartes. Donc c'est un oracle divinatoire sur tous les domaines, hein. C'est un oracle général. Et je vais vous montrer toutes les cartes, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon petit oracle de Noël. Donc l'oracle Joyeux Noël il s'appelle, hein. Donc là par exemple vous avez, bon vous verrez les mots à l'envers, ça c'est pas bien grave, hein. Là vous avez l'homme, le consultant, ça peut être un père, un frère, c'est l'homme, la carte du consultant. Ici vous avez la carte peut-être, répondre à une question. Bon ça j'avoue peut-être c'est pas non plus la réponse idéale, mais bon Ici vous avez la carte des nouvelles, communication. Ici, la protection, la défense, la chance ici. Moi, j'aime bien cette carte avec le vert et tout, c'est très joli. On a la carte de l'énervement, la colère, les disputes. Ici, vous avez la carte de l'absence. Il n'y a personne, il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est le calme en fait, hein. La carte du soutien, de l'aide. La carte non, refus, désaccord. Hein. Là, cette carte-là, c'est pas positif, on va dire. Hein. C'est plutôt négatif. Ici, on a la carte des addictions, la dépendance. Hop. Là, la carte de la fin, nouveau départ. Cassé, brisé, rupture ici. Avec la petite coquille de Noël, hein. On a flamme jumelle, âme sœur, la passion ici. La carte des blocages, difficultés, perturbations. Hein. Là, le Père Noël, il va être bloqué, je le sens. Hein. Il ne va pas passer, hein. Il y a trop de choses. Hein. On a la carte de la réussite, élévation. La carte or, argent, richesse. La carte du foyer. Donc là, les saisons, l'été, vous avez ici. La tristesse, la peine. De toute façon, vous avez aussi une petite revue de mon oracle, hein, que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, si vous voulez aller la voir. Hein. Ici, on a les enfants, l'enfance, la naïveté. La carte de l'amour, avec le Père Noël et la Mère Noël. Vous voyez, c'est des couleurs... très sympa je trouve, hein, avec le fond blanc, j'aime bien, c'est très épuré. On a ici les signatures, les contrats. Ici la fourberie, les ragots, la médisance, les pourparlers, hein, avec le petit serpent
dans la boîte de Noël. On a les déguisements et les masques ici, hein. Là, c'est le papa qui, de la petite fille qui s'est déguisé en Père Noël, hein. On a la carte de la beauté. Direction, choix, chemin ici. La carte amitié. Voyage, déplacement ici. La carte des enfants. Donc tout à l'heure c'était l'enfance, la naïveté. Là c'est vraiment la carte D qui représente les enfants. On a les avertissements, attention, il y a une alerte ici. On vous prévient. La carte de la naissance, grossesse, nouveau projet. L'attente, retard et la passion, patience avec cette carte. Donc là, c'est la carte au niveau du temps. Donc là, on parle en mois. Hein. Plus de 30 jours, 31 jours, on parle en mois. Là, on a la carte de la consultante. Là, le couteau trahison. Ça va pas être agréable, là, c'est la situation. On a la santé, la guérison, la maladie aussi. Donc après, il faut voir en fonction des cartes voisines. Hein. On a les plaisirs, les bons moments ici. La curiosité. La gratitude. On a la justice, la récolte. La corne d'abondance ici, remplie de bonnes choses, de sucreries, de biscuits. Donc là, on a la jalousie, les pourparlers, hein, bla 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 bla. On a la carte des retrouvailles, rencontres, rendez-vous. Cette carte-là est sortie dans beaucoup de tirages là, cet après-midi pour les énergies des signes astrologiques. Et il y en a plusieurs, ils m'ont sorti celle-là, donc il va y avoir des retrouvailles dans l'air. Pour pas mal de personnes, je pense, au mois de décembre. Hein. Bah, notamment, du coup, après le confinement, tout simplement, en fait. Hein. On a la carte de l'hiver, ici. Des entreprises, partenariats, hein, associations. Là, il y a un travail d'équipe qui va se faire. La force, le courage, avec l'ours blanc. L'ours polaire, quoi. On a la carte des parents. Alors ici, hein, vous verrez, hein, je l'expliquais dans ma vidéo de présentation des cartes, j'ai mis une petite Wonder Woman, Spider-Man. Non, Superman, Spider-Man, oh là là. Il est tard, hein, désolé, hein, je fais ma vidéo super tard, il est minuit cake. Superman et Wonder Woman, parce que ben, pour moi, les parents, ben, on est un petit peu des super-héros, hein, on gère tout, on fait tout, de la nourriture, aux lessives, aux courses, aux... s'occuper des enfants, travailler, tout quoi. Donc on est des super-héros. Ensuite on a la carte ici temporelle en jour, hein, les jours. On a la carte ici des secrets. Dons, partage. Ici les économies. La carte, je la trouve trop marrante, elle a avec les petits crayons de couleur, tout ça. La carte des études, des formations, des diplômes, de l'apprentissage en fait. Hein. On a la carte des festivités. Hein. Père Noël et la Mère Noël qui s'éclatent. Donc là, une carte un peu moins sympa, la carte du démon. Hein, on est dans l'excès ici un petit peu. Hein. Des addictions peut-être aussi. Là, un petit peu, que j'avais noté, éclaircissement, compréhension. Ça représente un peu comme l'ermite, hein, j'ai voulu représenter. Ça fait penser à l'ermite du tarot. On a ici des opportunités, des ouvertures hein, qui se proposent à vous. La carte cadeau, don. La carte du printemps qui arrive. La carte du travail. Paix, prendre du recul, la méditation ici. Ici, on a la carte éphémère. Ici, repos, détente.
la carte de l'automne, la carte de la famille, enchaîné, bloqué ici, la manipulation, le fardeau, les efforts. Regardez-moi, j'adore les couleurs. Là, le Père Noël, il y a trop de trucs à porter, quoi, il n'en peut plus, hein. Il est blasé. On a les rêves, les illusions. Trop choupinou la petite carte, hein, le petit bébé qui rêve du Père Noël qui va passer cette nuit, quoi. Trop marrant. Hein, quand les enfants ils s'endorment le soir de Noël et puis ils imaginent oh, cette nuit le Père Noël il va passer. Je trouve ça trop magique. On a la carte des grands-parents. La carte de la médiumnité. La carte bonheur, joie. La carte changement. Pouvoir, séduction. Le bien-être total. Et la carte temporelle des années. Donc voilà un petit peu toutes les cartes de l'oracle Joyeux Noël. Donc je me répète une dernière fois. Donc le concours est jusqu'au 25 décembre 2020. Donc vous avez un mois pile pour soit vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Instagram ou aussi aimer ma page Facebook. Si possible les trois, ça serait cool. N'hésitez pas à aimer les vidéos, à les partager pour me faire connaître. Le but, c'est vraiment de moi faire un petit coup de pub pour me faire connaître parce que ben, il n'y a pas que cet oracle-là non plus, hein. J'en ai plusieurs. Hein. Je peux vous les en montrer un ou deux là tout de suite. Hein. Vous avez par exemple ici, il y a l'oracle de l'eau, hein, que j'ai créé et que ben, qui est en vente. Hein. Si vous voulez voir les vidéos sur ma chaîne YouTube, vous avez ça. Vous avez aussi un très très bel oracle, l'oracle Gold, hein, qui est aussi en vente avec de très belles cartes, c'est en rouge et doré. Vous avez ici l'oracle Lion, vous avez l'oracle de la personne, vous avez aussi également l'oracle des petits anges. Donc voilà, vous avez pas mal d'oracles que j'ai fait. Là, je suis en train de sortir un nouveau tarot que je vais recevoir d'ici 2 semaines. Donc j'ai hâte de vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura un petit tirage au sort. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller encore pour le tirage au sort. Parce que c'est à voir combien de noms il y aura, combien de personnes se sont abonnées. Enfin, je vais réfléchir un peu comment je vais faire ça. Voir s'il n'y a pas des applications qui existent. Je vais me débrouiller. On va bien trouver. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie d'être bienveillant, vous n'êtes pas trop méchant dans mes vidéos, parce que ben, comme vous savez, je débute dans les tirages, tout ça. Hein. Voilà, vous êtes cool, vous êtes gentil. Donc merci. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à aimer la vidéo, la partager. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et merci beaucoup, bye bye.